Donc la charte entreprise et quartier, c'est un outil qui a été mis en place au niveau national, donc en 2013. Et c'est un engagement des entreprises au bénéfice des quartiers prioritaires de la politique de la ville par le biais d'actions qui peuvent être aussi bien sur l'éducation, sur le développement de l'emploi, sur la cohésion sociale, sur différentes thématiques. Donc les entreprises qui signent la charte entreprise et quartier s'engagent à mettre en œuvre effectivement des actions au bénéfice de ces personnes. Alors la Caisse d'épargne d'Alsace a décidé de signer la charte entreprise et quartier pour la raison principale, c'est notre engagement sociétal. Un premier exemple, c'est effectivement l'action que nous menons pour lutter contre l'illettrisme. Nous avons embauché deux chefs de projet depuis quelques années qui, avec l'aide du ministère de la Défense lors de la journée citoyen et les missions locales, identifient les jeunes qui n'ont pas les savoirs de base. Ces jeunes sont ensuite accompagnés pour leur permettre d'acquérir les savoirs de base et pouvoir passer le permis, reprendre le chemin de l'école, trouver un emploi. Le deuxième exemple qu'on peut citer, c'est l'action que nous menons dans le domaine du microcrédit en direction des personnes qui sont en situation difficile, qui ont connu un accident de la vie et qui, normalement, n'ont plus accès à un crédit bancaire. Le département donc du Bas-Rhin soutient cette démarche qui met l'entreprise au cœur de l'inclusion sociale. C'est une initiative partenariale, donc une nouvelle approche du circuit court de l'emploi et de l'action publique en proximité des territoires et dans une économie de proximité. Donc quel est l'échelon le plus proche des territoires? C'est bien entendu la commune. C'est pourquoi la ville de Bichheim s'est tout de suite associée à cette démarche partenariale avec les services de l'État, la Maison de l'Emploi et le conseil départemental pour participer au déploiement concret de cette charte entreprise et quartier sur notre territoire. Donc l'entreprise KS Construction et notre groupe KS Group a signé la charte entreprise et quartier, déjà parce que c'est une continuité de notre politique interne et de nos valeurs, donc celle d'être une entreprise citoyenne, donc l'engagement en direction de tout ce qui va être orientation scolaire et professionnelle. Donc ça, on le fait par le biais d'accueil de stagiaires. Du coup, ça leur permet déjà d'avoir un premier contact, d'avoir l'occasion de travailler et de se mettre, on va dire, en situation de travail en lien avec le bâtiment et d'aller ou pas dans cette voie-là. Donc, je suis arrivé à Strasbourg en 2012 et j'ai été pris en charge par le conseil général car j'étais mineur isolé. J'ai effectué des démarches pour accéder à une formation professionnelle et j'ai commencé mon parcours en bac pro, en apprentissage. Depuis en 2016, j'ai signé un contrat de CDI avec KS Construction. Aujourd'hui, je suis heureux parce que voilà, avant, j'étais pris en charge et aujourd'hui, je me prends en charge moi-même.